Au sommaire cette semaine, les nouvelles de la chorale Saint-Augustin, la préparation de Noël à Sophie Barra, le Noël solidaire de l'aumônerie, la petite histoire du calendrier de l'Avent, la prière au Créateur, à la découverte de CVX, un chant pour les complis, la messe des enfants à Saint-Germain, les horaires des messes de Noël, les nouvelles des amis, le mot de la semaine, pas de Noël sans musique. Avant le 12 janvier, il y aura des répétitions les samedis après-midi et dimanche prochain à 15h, il y aura un temps de veillée, couvre-feu oblige, à la mémoire de Michel Zocpé avant l'adoration. Elisabeth ne pourra pas être présente étant un peu confinée dans sa résidence de retraite, mais elle participe aux activités de la chorale.
Bonjour, alors en cette période d'Avent qui est aussi une période de convivialité et de partage, mais surtout d'entraide, on a décidé avec le niveau 4e-3e de l'aumônerie et nos animatrices Léa et Jeannette de faire un petit quelque chose pour les personnes en difficulté dans la rue qui n'ont pas de quoi se nourrir, se loger, ni de se réchauffer en cette période de froid et de Noël. On a décidé de faire des petites boîtes qui à la base sont des boîtes de chaussures qu'on aura décorées avec du papier cadeau. Ou à l'intérieur, on mettra plusieurs types de choses comme de la nourriture ou des éléments qui peuvent aider dans la vie de tous les jours, comme des brosses à dents et des dentifrices. Et à la fin, quand tout sera terminé, on pourra aller leur distribuer, car ça fait toujours plaisir, une petite attention pour les personnes qui en ont besoin. Bonjour à tous, cette semaine nous allons vous parler du calendrier de l'Avent. C'est une tradition qui nous vient d'Allemagne et qui est destinée à faire patienter les enfants mais également les plus grands jusqu'à Noël. Évidemment, c'est une tradition qui est d'origine chrétienne puisqu'elle est associée au temps de l'Avent. Dès le 19e siècle, il était de tradition en Allemagne de donner chaque matin aux enfants des images pieuses durant les 24 ou 25 jours précédant Noël. En 1908, Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser un calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. En 1920 est commercialisé le premier calendrier de l'Avent avec de petites portes ou fenêtres à ouvrir. Et dès 1958 apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière les petites fenêtres. Chacune d'entre elles doivent être mangées jour après jour. En fait, certains calendriers proches de l'idée originelle n'avaient pas systématiquement 24 jours, mais un nombre de jours variant entre 22 et 28 jours, selon la durée de l'Avent. Le nombre de jours de l'Avent se calcule à partir de Noël. Noël est toujours le 25 décembre, mais ce n'est pas toujours un dimanche. Le temps de l'Avent commence le 4e dimanche avant Noël. Au XXIe siècle, les calendriers de l'Avent prennent des formes diverses. Guirlandes de cornets, chaussettes, sachets, séries de boîtes, coffrets plats en forme de sapin, etc., etc. Mais à l'origine, les calendriers de l'Avent avaient souvent la forme d'une simple planche cartonnée dans laquelle étaient prédécoupées les différentes fenêtres que l'on ouvrait progressivement. Et l'on pouvait voir derrière chacune des fenêtres une phrase de l'Évangile. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insufflant nos cœurs un esprit fraternel, inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Aujourd'hui, on va parler de CVX. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire CVX? Alors, CVX, ça veut dire communauté de vie chrétienne. Alors, bon, c'est communauté, vie. Alors, pourquoi le X? Et le X vient de, du qui grec chrétien. Et qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est un mouvement de laïcs
mondiale et qui existe dans beaucoup de pays et qui est voilà, par exemple en France, il est divisé, c'est une communauté qui est divisée en régions. Il y a une inspiration spirituelle particulière ? Oui, alors c'est l'inspiration spirituelle, ça vient d'Ignace de Loyola, qui a fondé la Compagnie de Jésus, donc les Jésuites, et nous sommes associés aux Jésuites parce que nous sommes mus par la dynamique des exercices spirituels et qui ont été écrits par Ignace de Loyola. Donc vous faites les exercices ? Alors oui, on s'inspire des exercices et nous sommes fortement encouragés à faire des exercices lors de retraite. Vous êtes nombreux à Châtenay à faire partie de cette communauté ? Alors à Châtenay, nous sommes 6, si j'en oublie pas. Il y a 2 couples, 2 personnes seules, mais nous ne sommes pas dans la même communauté. D'accord, parce que vous êtes répartis donc en communauté. Voilà, nous sommes répartis en communautés de 7 à 8 personnes et nous nous réunissons une fois par mois. Et a priori, quand les communautés se forment, nous ne nous connaissons pas, mais à CDX, nous disons que nous sommes amis dans le Seigneur. Voilà. Donc des liens se tissent très forts. Voilà, des liens, mais pas de la même façon que des liens amicaux, proches. Comment se passent les rencontres ? Alors, c'est très codé. Il y a un temps convivial où on échange les nouvelles de chacun, de sa vie. Et puis ensuite, il y a un temps de prière, mais ce n'est pas une communauté de prière. Il y a un temps de prière. Puis, nous partageons chacun à son tour sur un thème qui a été proposé et qui se base sur ce que nous avons vécu, sur la relecture de ce que nous avons vécu spirituellement dans le mois. Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, ça permet de partager avec les autres, qu'on appelle des compagnons. La communauté nous est là pour nous soutenir dans nos engagements. Donc nous avons tous, c'est une communauté apostolique, donc nous avons tous ou beaucoup des engagements extérieurs ou à l'intérieur de CVX et nous nous soutenons et nous nous envoyons pour marcher à la suite du Christ dans la vie de tous les jours. Et vous vous retrouvez également entre communautés ? Alors il y a ce qu'on appelle les journées régionales, puisque nous sommes en région, et il y en a 2 par an, donc on se retrouve toute la communauté. Tout le monde ne vient pas, mais une grande partie, et là c'est un temps convivial, de partage, avec parfois des conférences, des... Ah, et puis, il y a aussi tous les 4 ou 5 ans un congrès où on retrouve toute la France. Comment peut-on s'engager auprès de CVX si on est intéressé ? Alors, il faut contacter un membre qu'on connaît. Et puis, il y a quelqu'un qui est chargé d'accueillir les demandes et propose... un parcours découverte qui dure un an et qui permet de voir un peu ce que c'est. Merci beaucoup. Bonsoir. Dans un précédent magazine, je vous ai parlé de la prière d'alliance. Je vous l'avais présentée à partir d'un chant au soir de ce jour, un chant de la communauté de vie chrétienne. Et ce soir, j'avais envie de vous présenter un autre chant issu de la tradition monastique, de la tradition cistercienne, un chant qui est chanté par les moines pour l'office de compli, la prière du soir. Béni Seigneur mon Maître. Béni Seigneur mon Maître, la nuit qui va venir, veille au cœur de mon être, demain je vais renaître.
et te servir. Le jour qui se termine, tes mains me l'ont donné. J'ai vécu ses routines et sa clarté divine en ta bonté. Pour ces instants de grâce, en mes années de vie, pour mon unique place dans le temps et l'espace, à toi merci. Je t'offre mon ouvrage, mes peines et mes joies, le sourire au passage, le pain que je partage était pour toi. Oublie mes larmes vaines, mes heures d'abandon, la laideur quotidienne de ce mal qui m'entraîne. Bénis Seigneur mon maître, la nuit qui va venir, veille au cœur de mon être, demain je vais renaître et te servir. Alors bonjour Père, du coup... Vous allez nous parler de la célébration de Noël à Saint-Germain, ce que vous avez envisagé pour la messe des enfants. Gaëlle, nous avons pensé surtout avec les catéchistes et puis aussi nos pères Dominique, nos curés, de célébrer la messe du 24 à 17h dans la chapelle de l'école Sophie Barra parce qu'il n'y a plus de place. Et les enfants vont bien présenter au Seigneur comme un cadeau, une crèche vivante avec le cœur. Ils voulaient bien offrir le cœur et puis le cœur de leur famille au Seigneur comme cadeau ce jour-là. Et c'est vraiment, c'est une joie pour nous tous. Et après, alors nous avons deux messes ici à 19h30 et puis à 22h à Saint-Germain pour les personnes adultes et puis aussi les autres. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, bonne marche vers Noël à vous tous. Merci mon père. Voilà, vous en prie. Nous arrivons aux veillées de Noël. Noël est un moment qui nous rassemble. Cette année, nous sommes obligés de nous rassembler différemment. Comme vous le savez déjà, nous ne pourrons pas vivre ces messes remplies de monde, les uns proches des autres, pour célébrer ensemble. En ce temps de pandémie, chaque église a un maximum de capacité. Malgré ces contraintes, Noël est un temps d'accueil et de communauté. Les messes seront multipliées et diffusées pour permettre un maximum de personnes de veiller ensemble l'arrivée de l'enfant Jésus. Les horaires des veillées de Noël sont les suivantes. Saint-Bathilde, 19h. Saint-Germain, 17h, 19h30 et 22h. Sainte-Thérèse, 18h et 20h30. La messe sera diffusée sur YouTube à 18h. Les messes du 25 décembre seront à 10h30 dans chaque église. Pour plus d'informations, consultez le dernier J3P. Un joyeux Noël à chacun et chacune. Les nouvelles des amis ne sont pas joyeuses cette semaine. Deux décès ont touché la chorale Saint-Augustin. Celui de Bernard, le fils de maman Elisabeth qui avait 61 ans, et celui de Michel Zocpé, le papa de Thierry. Philippe Tess, de Sainte-Bathilde, a également perdu sa grand-mère.
Prions pour les défunts et leurs familles. Le mot de la semaine est le terme Noël. Noël vient du latin natalis, anniversaire. Natalis dies, le jour anniversaire. Natalis a donné Noël et Natalis a subi un petit peu la même déformation que le mot patella, par exemple, qui est devenu poil. Le 25 décembre, jour du solstice d'hiver, était célébré l'anniversaire du Sol Invictus, c'est-à-dire du soleil invaincu. Et c'est à partir de cette date que les jours se rallongeaient, que le soleil renaissait. Le jour du solstice, c'est la célébration du soleil invaincu. Quand Jules César réforme le calendrier, le solstice d'hiver tombe un 25 décembre. On décide alors qu'une année comportera 365 jours et 6 heures. Donc un jour supplémentaire tous les 4 ans. Mais en fait, cela fait 11 minutes de trop, c'est-à-dire 18 heures par siècle. Bon, c'est pas grand-chose dans la vie d'un homme, mais en 325, quand le concile de Nicée décide de fixer la date de Pâques en fonction de l'équinoxe de printemps, on constate que l'équinoxe tombe un 21 mars, alors qu'elle aurait dû tomber un 25 mars. La raison, ce sont les fameuses 11 minutes. Mais on croit alors que Saucigène, le créateur du calendrier julien, s'est trompé dans ses calculs. Et les 11 minutes continuent à détraquer le calendrier. En 1582, l'équinoxe tombe un 11 mars. Le pape Grégoire XIII décide de réformer le calendrier julien qui devient alors grégorien. On retire 3 jours bissextes tous les 4 siècles. Au jeudi 4 octobre 1582 succède le vendredi 15 octobre 1582. On retire donc 10 jours au calendrier. Le but est de faire en sorte que l'équinoxe de printemps tombe un 21 mars, comme au temps du concile de Nicée. Il aurait fallu retirer encore 4 jours pour que le solstice d'hiver tombe un 25 décembre. Mais le pape préfère être conforme au concile de l'Église, plutôt qu'à César le païen. Mais alors, question piège, que s'est-il passé le 10 octobre 1582 ? Seuls l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont suivi le pape. En France, Henri III décide de supprimer 10 jours en décembre de la même année. Ainsi, le 10 octobre a bel et bien existé en France, mais pas au-delà des Pyrénées. Les autres pays européens suivront, d'abord les pays catholiques, ensuite les pays protestants. Kepler dira qu'il préfère désobéir au soleil plutôt qu'obéir au pape. Les Russes devront attendre l'arrivée au pouvoir des bolchevistes, c'est pourquoi la révolution d'octobre en 1917 s'est déroulée en fait en novembre. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Israel this blessed babe was born, and laid within a manger upon this blessed morn. The which his mother Mary did nothing take in scorn. Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh tidings of comfort and joy. From God our heavenly Father a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not then, say the angel, let nothing you affright. This day is born a Savior of a pure virgin bright, to free all those who trust in him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Per nulla anguillon du camino, quanto in concorso netto, sus le fefere lu tamburin, dice la canzonetto. Cante nuve, 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 sus la musetto. Cante nuve, 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 sus la musetto. L'utem sus agare dura, vese si la grangetto. L'ube premier che l'intrara, che leve la barretto. Cante nuve, 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 sus la musetto. Cante nuve, 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 sus la musetto.
L'upichotes mai mort que viu, Giuseppe Adletta ceto, d'una spedite l'ufficio, la cinzole brucheto, cante nuve, 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 sus la museto, cante nuve, 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 sus la museto. Lul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